Bonjour, bonsoir à tous. Comme d'habitude, on va attendre une petite minute pour voir si les autres arrivent et nous allons commencer le cours. Allez, nous commençons si vous voulez bien. Qui est là? Beaker Taylor, CRB est avec nous. Curiosidades, à chaque fois c'est difficile, mais je fais des progrès. Est avec nous. Daria est là. Ash Watson est là aussi. Sundar est avec nous. Abir est là. Sabrina est là. Victoria Jacques est là aussi. MNM19 aussi. Yossi est avec nous. Flowers in the Paradise est là aussi. Jessie Gassi est là. Bonjour. Et Arcelie Rodriguez est Araceli Rodriguez est avec nous, Victoria nous rejoint aussi. Ben écoutez, c'est formidable. J'espère que vous allez bien. On va essayer de passer un bon moment ensemble. Et comme d'habitude, nous allons commencer avec la question du jour. Et la question du jour, c'est qu'avez-vous fait de sympa le week-end dernier? Dites-moi ce que vous avez fait de sympathique le week-end dernier en une phrase. Bien sûr, idéalement, vous utilisez un temps du passé. Merci beaucoup. Alors, pendant qu'il y a quelques petits bruits bizarres avec la musique, Flowers in the Paradise est en première position et qui dit « Je n'ai pas fait rien de spécial ». Ouais. Alors faites attention, Flowers in the Paradise, souvenez-vous que quand vous utilisez « ne » et « rien », le « pas » disparaît. D'accord ? Donc, vous allez dire « je » n'ai rien fait de spécial. Donc le pas disparaît. Hein. Yossi qui nous dit « j'ai resté à la maison ». Faites attention Yossi, c'est bizarre, mais le verbe « rester », on l'utilise avec l'auxiliaire « être ». Donc « je suis resté à la maison ». D'accord ? Merci beaucoup Daria. Daria qui nous dit « j'ai commencé à lire un nouveau livre » par Robin Sharma,
très intéressant et captivant. J'ai été heureuse d'avoir les cours avec Vincent aussi. Ça me fait un grand plaisir. Bah écoutez, ça me fait plaisir que vous participiez aussi. Très bien écrit, comme d'habitude. Curiosidades qui nous dit « J'ai passé du temps avec ma famille et étudié le français. » Parfait. Parfait, parfait. Les accents, le CCDI, c'est magnifique. Sabrina qui est avec nous et qui nous dit « Je n'ai rien fait de spécial, je suis restée chez moi ». Ben écoutez, c'est bien, hein, moi c'était pareil pour moi. Zinera qui nous dit « Le week-end dernier, je suis allée au cinéma et aussi j'ai joué avec mes amis ». Très bien. Zinera Razvi, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme. Si vous êtes une femme, mettez « aller » au féminin, d'accord ? Si vous êtes un homme, c'est parfait comme ça. Ash Watson qui nous dit « J'ai médité », d'accord ? Donc pas d'accent parce que vous n'avez pas les accents sur le clavier, je comprends. Mais normalement, deux accents. Hein. « Mais », accent aigu, dit « T », accent aigu. CRB, « J'ai visité la maison avec mon oncle ». Est-ce que c'est une maison ? Parce que si vous dites la maison CRB, j'attends plus d'informations. Alors, Papillon 97, moi, j'ai gardé des fleurs, comme toujours, en attendant le dernier week-end d'été. Ah, en attendant le dernier week-end d'été, d'accord. Donc, vous gardez les fleurs, bien sûr, parce que vous êtes un papillon Sundar. C'est complètement le confinement ici au Népal, donc je suis resté chez moi toute la journée, d'accord ? Faites attention, on va utiliser cette notion de durée, et donc ça va être la journée, c'est pas le jour. Hein. Bickert, je suis avec ma famille, j'étudie le français, je suis allé au marché, et je fais FAIS, beaucoup de repas. J'ai lu un livre de français. Très bien, parfait. I just called to say I love you. Bonjour à tous, bonjour à vous. Répondez à la question si vous avez le temps ou participez à l'exercice suivant. Bakrizos, je suis allé chez mes parents au village. Très bien. Anna, bonjour. Bonjour Anna. Participez s'il vous plaît. MNM19, j'ai arrangé ma chambre. Alors MNM19, faites attention. Vous dites j'ai arrangé ma chambre. J'imagine que c'est vous avez changé la décoration. D'accord ? Si vous voulez dire que vous avez mis les choses en ordre, le verbe c'est ranger. R-A-N-G-E-R. D'accord ? J'ai rangé ma chambre et là j'imagine que vous avez rangé vos affaires, vous avez mis les livres à leur place, etc. etc. Victoria qui nous dit je ne peux pas. Alors attendez, je n'ai peux pas faire rien sympathique. Je n'ai rien fait de sympathique. Toujours la peinture. c'est vrai? Ah, donc vous peignez toujours, Victoria. Waouh! Eh bien, écoutez, bon courage. Hein. Ouvrez les fenêtres pour l'aération, hein, c'est important. Ash Watson, oui, d'accord, le clavier. Très bien. Sapna nous rejoint. Ensuite, oui, pas pu faire, d'accord, c'était mieux avec le verbe pouvoir, Victoria. Très bien. Nahid nous rejoint aussi. Bah, écoutez, Nahid, vous allez pouvoir participer au prochain exercice, si vous voulez. Et donc, c'est comme tous les jours, la photo du jour. Et regardez cette photo, une phrase pour me décrire la photo. Merci.
Alors, j'attends avec impatience vos phrases. Pour l'instant, vous êtes un peu timide, j'ai l'impression. Ou est-ce que c'est difficile à décrire, peut-être? Allez, je vous laisse quelques secondes encore. Alors, c'est Curiosidades qui est en première position et qui nous dit « L'image représente le bonheur, quel que soit l'âge. » Magnifiquement écrit et très très bien pensé. C'est vrai que c'est très bien ce que vous avez écrit. CRB nous dit « Elle vend des légumes. » H. Watson nous dit « Une pauvre vendeuse vend... » Les légumes vend des légumes. Hein. Souvenez-vous, pour cette notion ici, c'est plutôt des, c'est-à-dire que bah, c'est le substantif, hein, c'est finalement, elle vend des légumes. Yossi, la vieille femme vend des légumes aussi. On ne va pas mettre l'article défini, c'est pas nécessaire. Sundar qui nous dit, je vois la vieille femme, une vieille femme qui... a vendu des légumes. Même chose. Hein. Papillon qui nous dit « Je crois que cette photo de haute montagne au Tibet ou Amérique du Sud, je me souviens avec un S des fleurs, pas de E, que la femme tient. » Ouais, tient, T-E-I-N-T, parce que c'est elle, elle tient. Bacrisos qui dit, une vieille femme gagne, faites attention, le verbe gagner, G-A-G-N-E-R, infinitif. Ici, on va le conjuguer, donc gagne. Sa vie sur la route, très bien. Daria, on voit deux femmes de l'Amérique du Sud, peut-être de Bolivie. Faites attention, Bolivie, V-I-E. Hein, le E est muet, mais c'est V-I-E. Elles sont dans la rue. L'une d'elles vend les verdures. Oui, on pouvait dire de la verdure et des légumes. L'autre femme regarde. Ah, l'autre femme la regarde. Faites attention, pronom complément d'objet direct avant hein, le verbe. L'autre femme la regarde et pense acheter ou non. D'accord ? Valeria Dentis, une vieille femme achète des épices à une autre femme. C'est parfait Valeria, félicitations. Flowers in the Paradise, la femme qui est assise sur le sol offre un cadeau à... l'autre femme, si vous voulez, ouais. Younous qui nous dit yo, yo Younous, participez au cours, s'il vous plaît, merci. H. Watson, très bien, discutez entre vous. Hein. Omar aussi, participez au cours. I just called, qui dit il y a une vieille femme assise sur la terre, on pourrait dire par terre, hein, essayant de vendre quelque chose à une autre femme. Eh, c'était parfait, d'accord? C'est juste le parterre, c'est mieux. Save the best, une vieille femme vend des légumes à une fille. Parfait aussi. Tiens, Ice Cubes qui nous rejoint. Bonsoir Ice Cubes, vous pouvez participer au prochain exercice. Sapna, il y a deux femmes avec S, Sapna. L'une, féminin, est la vendeuse, E-U-S-E, qui vend des légumes et l'autre est la consommatrice ou peut-être l'acheteuse. M&M19, la grand-mère vend des plantes médicinales dans la rue. Ouais. Faites attention, grand-mère, on ne met pas le E pour... on ne dit pas grand-d, mais on dit grand, donc juste avec le D, d'accord ? Et un trait d'union entre les deux. Zinera, Razvi, il y a deux femmes qui vendent. Donc là, vous conjuguez votre verbe. Hein. V-E-N-D-E-N-T. Quelques légumes. Il y a un vélo aussi. Parfait. Ice Cubes, il y a deux femmes dans la rue. La plus vieille vend, attention, V-E-N-D, quelque chose à l'autre. Ouais. Très bien, Younous. Non. Well, I'm native. I'm French, but the others are not. Non. 79 ans, toutes mes dents quand j'allais sur...
D'accord, elle est bonne. CRN 554, la vendeuse donne du persil à la femme. Très bien, bah écoutez, pour l'instant, c'est parfait. L'ambiance est bonne et ça fait plaisir finalement. Alors, maintenant, c'est la dictée. Donc, comme d'habitude, on va faire les quatre niveaux A1, A2, B1, B2. Donc, quatre phrases. J'espère que vous êtes prêts. Je vais lire les phrases deux fois. Première phrase. Nous ne voulons pas de dessert. Nous ne voulons pas de dessert. Alors, c'est I just called qui écrit la première phrase. Donc, nous ne voulons pas de dessert. Parfait. Seren, oui. Save the best. Faites attention. De. Et dessert, il n'y a pas d'accent. Ice cubes. Oui, attention. Double S pour dessert. Yossi. Ouais. Papillon 97. Même chose. C'est de dessert et pas de S à dessert. Daria, oui. Alors, 79 ans, pas de dessert. Hein. Non, 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 vous êtes trop généreux, 79 ans. Ça vous perdra. Sapna, ouais, faites attention. Dessert, Sapna, tenez, regardez, je vous le mets à l'écran. On l'écrit comme ça. Dessert. D'accord? Abir, ouais, c'est bien écrit. H, oui. MNM19. Faites attention, ouais. MNM19, regardez à l'écran pour l'écriture de dessert. Sundar, même chose, Sundar, regardez, c'était le de, hein, c'est pas des, et donc vous ne mettez pas de S à dessert. CRB, oui. Curiosidades, oui. Bickert, oui. Bacchrisos, oui. Victoria, oui. Sabrina, oui aussi. Younous, eh ben Younous, si c'est intermédiaire, if it's intermediate, Younous, you can do it. Berylla 71, ouais, donc pas de problème. Bah, écoutez, félicitations. Bon, ici, c'était juste le verbe vouloir, conjugué au présent avec une négation. Et donc le de pour la forme négative, hein, on a déjà vu ça avant. Alors maintenant on va continuer avec niveau A2. Même chose, je vais lire la phrase deux fois. Il ne les a pas contactés la semaine dernière. Il ne les a pas contactés la semaine dernière. Thank you.
Alors, c'est Ice Cube qui commence. Il ne les a pas contactés la semaine dernière. Souvenez-vous, souvenez-vous. Ouais, bah écoutez, je vais le mettre à l'écran. Nous avions déjà vu un petit peu la même difficulté, c'est-à-dire, regardez. Vous avez une phrase, donc c'est une phrase qui est bien sûr au passé composé. Il a contacté. Normalement, il a contacté, vous allez mettre E, accent aigu, à la fin. Mais la règle est que si le complément d'objet direct est avant l'auxiliaire avoir, on doit accorder le participe passé avec le complément d'objet direct. Ici, le complément d'objet direct, c'est le pronom complément d'objet direct, les. Et c'est pluriel. Et comme c'est pluriel, nous allons mettre S à contacter. Il ne les a pas contactés avec le S la semaine dernière. Je regarde parce que là, je pense que il y avait beaucoup de choses. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas vu vraiment. Si 79 ans et toutes mes dents, vous l'avez. J'ai pas vu les autres. Donc faites attention. Ça, c'est vraiment une règle. Bon, une règle de grammaire qui est pas vraiment, vraiment très joyeuse et très sympathique à appliquer, mais on devrait marquer le genre et le nombre au niveau du participe passé en fonction du complément d'objet direct. On va en faire d'autres, des choses. Oui, Ice Cube qui dit le COD. Ah, il faut pas pleurer, il faut pas pleurer, c'est juste de la grammaire, c'est pas bien grave tout ça. Allez, niveau B1. Je vais lire la phrase deux fois. Vous auriez pu me dire tout ça quand nous nous sommes vus hier. Vous auriez pu me dire tout ça quand nous nous sommes vus hier. Allez-y. Alors, c'est Daria qui est la première. Vous auriez pu me dire tout ça quand nous nous sommes vus hier. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Sapna, faites attention, me dire quand nous nous sommes vus hier, vu avec un S. Yossi, vous auriez pu me dire tout ça quand nous nous sommes vus hier. Félicitations, Yossi. Sabrina, vous auriez pu me dire tout ça quand nous nous sommes vus hier. Très bien. Papillon 97. Ouais, faites attention, vu avec un S. Tenez, je vous le mets comme ça, vous allez le voir. Bickert. Ouais, vous avez oublié vu et hier, mais c'est pas grave, Bickert. Seren 554. Ouais, tout ça, TOUT. Quand nous nous sommes vus hier, le reste c'est bien. 79 ans. Oui, d'accord, avec un bel œuf, et ça fait toujours plaisir, un bel œuf. Ice Cubes, vous auriez pu me dire tout ça quand nous nous sommes vus hier, c'est très bien. Zinera, rafraîchissez, vous n'êtes pas synchronisé, vous êtes toujours sur les phrases précédentes. I just called, vous auriez pu, faites attention, c'est le verbe pouvoir, vous auriez pu, ici c'est le participe passé, PU. D'accord?
Tout ça, souvenez-vous, T-O-U-T. Hein. Et nous nous sommes vus, V-U-S. Hein, donc c'est un verbe pronominal, donc automatiquement vous marquez ici le pluriel. Victoria, vous auriez... Ah, vous, vous auriez pu me dire tout ça quand nous nous sommes vus hier. Oh, vous aviez 5, 50, 60, peut-être 70%, Victoria. Félicitations. Akil, d'accord, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Berylla, 71. Vous auriez pu me dire tout ça quand nous nous sommes vus. C'était hier, hein, Berylla, 70. Oui, d'accord. Bakri, Bakrizos, vous auriez pu me dire tout ça quand nous nous sommes vus hier. C'est parfait. CRB. Oui. Bikert. Bicotte qui commence à négocier trois fois, s'il vous plaît. Ok, je vais faire trois fois pour la dernière phrase, Bicotte, d'accord? Save the best, vous auriez pu me dire tous quand nous nous sommes vus. Ouais. Bah, c'était bien. Save the best, c'était bien quand même. Regardez, niveau B2, donc on est d'accord, Bicotte l'a demandé, donc avec grand plaisir, je vais la lire trois fois. Nous aurions aimé qu'elle puisse participer à la formation de cette équipe. Nous aurions aimé qu'elle puisse participer à la formation de cette équipe. Nous aurions aimé qu'elle puisse participer à la formation de cette équipe. Alors, c'est 79 ans qui commence. Alors, aimer 79 ans, il n'y a pas de S à votre participe passé. Et puis, la formation de cette équipe, si vous écrivez 7 comme ça, normalement, vous devriez mettre un S à équipe. Ici, ce n'était pas vraiment 7, ce n'était pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais c'était plus le CETTE que vous voyez maintenant probablement à votre écran. Juste après, c'était Daria. Alors Daria, ouais, c'est bien écrit. Ice Cubes, oui, c'est parfait. CRB, faites attention, CRB pour quel. Hein, donc nous aurions aimé que elle, donc E, vous l'enlevez, vous mettez l'apostrophe, mais vous gardez le L. E-L-L-E, à la formation de cette équipe. Oui, Yossi. Oui, Flowers in the Paradise. Oui, cette équipe, attention, sept féminins. CETTE. Sundar, faites attention, Sundar, nous aurions aimé. Aimé, vous ne mettez rien, c'est-à-dire la forme basique. E accent aigu. Qu'elle puisse participer, d'accord. Papillon 97. Orion, ONS. Qu'elle puisse participer à la formation de cette équipe. Sapna, participer, infinitif, hein, à la formation de cette équipe. Bickert, oui. Nous aurions aimé, faites attention, Orion, Bickert, I-O-N-S, aimé, E accent aigu. H, Watson, nous aurions aimé qu'elle puisse participer, infinitif, H, qu'elle puisse participer. Et cette équipe, regardez, 7, c'est le féminin, CETTE, et puis équipe, d'accord. Je... Attendez, je ne pourrais pas regarder tout le monde parce que c'est un petit peu compliqué, mais j'ai l'impression quand même, globalement, c'était assez bien. Berylla, je vous regarde quand même parce que vous êtes membre. Nous aurions
Et mais, attendez, ouais, le Aurier, il n'est pas nécessaire ici. Qu'elle puisse participer à la formation de cette équipe. Oui, d'accord. Cette équipe, Berilla, féminin, CETTE. Victoria, nous aurions aimé qu'elle puisse. Hein, l'idée, c'était de faire du subjonctif ici, le verbe pouvoir, puisse participer à la formation de cette équipe. Bon, bah écoutez, on n'a qu'à dire ça si vous voulez. C'était une très bonne proposition. Les dictées prochaines, je vais lire deux fois pour A1, A2, et puis je lirai trois fois les phrases B1 et B2. D'accord? Moi, il n'y a pas de problème, au contraire. Si ça vous convient, ça me convient. Alors, c'est la personne du jour. Comme chaque jour ou presque, nous découvrons une personnalité française ou francophone. Alors, l'idée, bien sûr, c'est de découvrir cette personne, mais c'est aussi de faire un peu aussi de dictée, puisque nous allons découvrir trois informations sur cette personne que je vais lire, que vous allez écouter et que vous allez écrire. Aujourd'hui, nous allons regarder quelques petites choses sur Guillaume le Conquérant. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un personnage historique assez important en France. Et donc, nous commençons avec la première phrase et la première information sur Guillaume le Conquérant. Il est né en Normandie en 1027 ou 1028 et il est mort dans la ville de Rouen le 9 septembre 1087. Il est né en Normandie en 1027 ou 1028, et il est mort dans la ville de Rouen le 9 septembre 1087. Allez-y, écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, je vois Bicotte qui commence, mais qui abandonne en riant. Et ça, c'est bien. Il faut garder toujours, toujours. Daria qui dit c'est pas de la tarte, Vincent, pour reprendre l'expression. Ah, je sais que c'est pas de la tarte, Daria, mais c'est pour mettre un petit peu de difficulté, peut-être un peu trop, c'est vrai. Je m'excuse. Alors, Papillon 97, qui est quand même courageux. Il est né en Normandie. Oui. Alors, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Regardez, je vais vous la mettre, comme ça vous n'allez pas être trop, trop, trop traumatisé. MNM19, c'est pareil. Ah, vous avez... D'accord, ma phrase était trop longue. Eh bien, voilà. Voilà, j'ai compris. Flowers in the Paradise. Il est en Normandie. Oui, d'accord. Mais vous avez quand même beaucoup de choses. Et c'est ça qui est intéressant dans un exercice comme ça, c'est voir finalement ce que vous arrivez à entendre. Et vous remarquez que vous entendez à peu près les mêmes choses tous.
Et ça, c'est intéressant. Alors, regardez maintenant. C'est pas grave. I just called. Ne vous stressez pas. Il faut pas se stresser. On travaille tous ensemble. Regardez la phrase. Il est né en Normandie en 1027 ou 1028. Et il est mort dans la ville de Rouen le 9 septembre 1087. Voilà. Je regarde s'il y a encore des choses qui sont arrivées. Donc ici, qu'est-ce qui nous intéresse? Finalement, il nous intéresse... Ce qui est intéressant, c'est le verbe naître ici. Il est né. Donc vous voyez qu'on utilise être pour le passé composé. Et le verbe mourir, il est mort. Hein, et c'est la même chose. On utilise aussi l'auxiliaire être pour ces deux verbes. Alors attention, maintenant j'ai peur. Je vais lire trois fois, d'accord? Allez, il a réuni 600 navires et une armée de 7000 hommes et il est parti à la conquête de l'Angleterre. Il a réuni 600 navires et une armée de 7000 hommes et il est parti à la conquête de l'Angleterre. Il a réuni 600 navires et une armée de 7000 hommes et il est parti à la conquête de l'Angleterre. Alors, c'est Papillon 97 qui est en première position. On sent que le pollen des fleurs a donné de l'énergie à notre papillon. Il a réuni 600 navires et une armée de 7000 hommes et il est parti à la conquête de l'Angleterre. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous avez tous les éléments, hein. Des erreurs, mais c'est pas grave. Daria, il a réuni 600 navires et une armée de 7000 hommes et il est parti à la conquête de l'Angleterre. Et parfait. MNM19, il a réuni 600 navires et une armée de 7000 hommes et il est parti à la... Tenez, je vais vous le mettre, regardez. Voilà. À la conquête. Mais MNM19, le reste, c'était parfait. Hein. Flowers in the Paradise, il a réuni navires, hommes... Oui, oui, oui. Et il est parti à la conquête de l'Angleterre. C'est pas grave, Flowers in the Paradise, c'est pas grave, parce que c'est juste les nombres, là. Donc ça, c'est pas un problème. Le reste, c'est parfait. Alors, Bacrisos, il a réuni 600... Oui, hein, c'était 600, regardez, un navire... Ouais, vous avez entendu, son navire, ouais. Alors c'est normal, même chose Bakri, pas de problème, on va continuer, vous allez voir, vous allez améliorer votre niveau progressivement. Bickert, il a réuni 600, ouais, faites attention, 600 c'était le nombre, hein, et une armée de 7000 hommes à la conquête, là vous l'avez, l'Angleterre, ouais. Ice Cube, il a réuni 600 navires et une armée, ouais, armée, regardez, c'est E accent aigu, E, de, et c'était 7000 hommes et il est parti à la conquête de l'Angleterre. Et Ice Cube, phonétiquement, c'était bon. Hein. Alors, Victoria possède. Donc, il a réuni 6... Ouais, c'était 600 navires. Un navire, c'est un bateau, un grand bateau. Hein, et 7000 hommes et il est parti à la conquête de l'Angleterre. Victoria, c'est bien.
Vous avez les informations principales. Ça, c'est formidable. H. Watson, il a réuni, ouais, 600 navires, rien, une armée de 7000 hommes. Il est parti à la conquête de l'Angleterre. H. Watson, c'est bien aussi, d'accord? On doit continuer, mais là, c'est vraiment bien. Sabrina, il a réuni 600 navires, oui, 7000 hommes, parti à la conquête de l'Angleterre. Eh ben voilà. Voilà, Sabrina, félicitations. CRB, il a réuni, ouais, faites attention, 600 navires et une armée de 7000 hommes et il est parti à la conquête de l'Angleterre. Ouais. Ensuite, Sundar, il a réuni 600, ouais, navires. Hein, c'est pas facile quand on ne connaît pas le mot, c'est normal. Hein. Une armée de 7000 hommes, un petit peu moins, et il est parti à la conquête de l'Angleterre. C'est bien. Joshua, il a réuni 600 navires, ouais, pluriel, avec le S, et une armée de 7000 hommes, et il est parti, masculin, pas de E, à la conquête de l'Angleterre. Berylla, il a réuni 600 navires et une armée de 7000 hommes, oui, et il est parti à la conquête de l'Angleterre. La conquête, pas la coquette, Boucham. La conquête, conquérir, to conquer, hein, c'est la même chose en anglais. Alors, attention, la dernière phrase, elle est moins longue. J'ai réduit. Je vais la lire juste deux fois. Faites attention aux dates, d'accord? Il a été roi d'Angleterre de 1066 jusqu'à sa mort en 1087. Je répète, il a été roi d'Angleterre de 1066 jusqu'à 1087. 87. Ah, vous l'avez, c'est à l'écran. Alors, voilà, c'est comme ça que ça se passe. À chaque fois, je dois avoir un petit problème technique et c'est normal. Alors, regardez, si vous voulez essayer de l'écrire, écrivez, sinon vous pouvez regarder votre écran et vous aurez la réponse. Donc, il a été roi d'Angleterre de 1066 jusqu'à sa mort en 1087. 87. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent essayer ou pas? C'est comme vous voulez. Si vous avez envie d'essayer, Daria, qui est très courageuse, nous propose. Il a été. Ouais, d'accord. MNM, c'était. Ouais, faites attention, MNM roi. Regardez, il n'y a pas de, il n'y a pas de S. Voilà. C'était bien pour les dates. Yossi. Yossi, c'est bien. Ice Cubes, parfait. Papillon 97, roi d'Angleterre. Hein. Donc D apostrophe Angleterre. D'accord, jusqu'à sa mort. Et puis on donnait la date. Maria Bethania, bonjour, c'est pas grave, c'est pas grave. On va bientôt changer d'exercice, pas de problème. Sundar, il a été roi d'Angleterre, ouais, d'accord, donc jusqu'à sa mort, hein. Il a été roi d'Angleterre, d'accord. Bickert, oui, vous avez manqué les dates. I just called Angleterre, AN, hein. Et Bakri, faites attention, et Bakrizos, Angleterre, regardez sur votre écran, c'est AN, d'accord, alors. Voilà, bah écoutez, je pense que c'était bon, c'était un petit peu difficile, mais nous explorons nos limites. H. Watson, ouais, d'Angleterre. Hein. Il a été roi d'Angleterre, donc là, voilà. Alors, les expressions idiomatiques. L'idée, c'est finalement de découvrir trois expressions et aussi de les conjuguer d'une certaine façon. Donc, on fait un petit peu de conjugaison
aussi. La première expression, c'est se croiser les bras. Se croiser les bras. Et la signification, c'est ne rien faire. D'accord ? Se croiser les bras, ne rien faire. C'est un verbe pronominal. D'accord ? Alors, pour la petite partie de conjugaison maintenant, s'il vous plaît, on va utiliser cette expression idiomatique. Vous allez me la conjuguer ou faire une phrase, si vous voulez, avec « je », la forme négative du présent de l'indicatif, s'il vous plaît. Alors, c'est Yossi qui commence. Je ne me croise pas les bras, c'est bien. Écoutez, c'est bien. Oui, faites attention à Ice Cube, c'est je ne me croise pas les bras. Donc, le lait, on ne va pas le transformer. Hein. C'est pas je ne me croise pas mes bras, mais je ne me croise pas les bras. Oui, Yossi, c'était pluriel, hein, les bras. Sapna, oui. Bickert, oui. Ash, oui. D'accord. On est d'accord, hein. Là, l'idée. C'est vraiment, c'est de la conjugaison, c'est juste pour conjuguer une expression idiomatique. Oui, CRB, ça va. Bacrisos, oui. Faites attention, Bacrisos, pour à me croiser les bras. Victoria, je ne me croise, zaza. Il y a juste un S, hein, regardez. Pas les bras, d'accord. Papillon, ce week-end, je ne me suis pas croiser les bras. Faites attention, vous devez garder votre pas quand même. Hein. Curiosidades, oui. Ouais, quand je veux apprendre, d'accord. Deuxième verbe, infinitif. Hein. Sundar, je ne me croise pas les bras, d'accord. Bon, écoutez, ça a l'air d'être assez bien. Ah, Daria, je n'aime pas me croiser les bras. Faites attention, je n'aime pas me croiser les bras. MNM19, je ne me croise pas les bras. Quand les gens font du mal, ouais, font, donc on est obligé de mettre le verbe font au pluriel, d'accord, F-O-N-T, et l'expression c'est faire du mal. Hein. Très bien, Ash Watson, je regarde, oui, d'accord, pas de problème. Regardons, deuxième expression. Donc l'expression idiomatique c'est se faire des cheveux blancs. Se faire des cheveux blancs et la signification c'est s'inquiéter, hein, être inquiet, être préoccupé, être stressé éventuellement, s'inquiéter. L'expression c'est se faire des cheveux blancs. Même chose, c'est un verbe pronominal, hein, c'est se faire, d'accord. Regardez, s'il vous plaît, phrase au passé composé de l'indicatif, forme négative, s'il vous plaît. Thank you.
Alors, I Just Called qui dit qu'elle aime bien la musique. Oui, aujourd'hui, je me suis réveillée et j'avais une envie de musique classique. Donc j'écoute, ça dépend des jours, hein. Des fois on écoute d'autres styles. Aujourd'hui c'est classique, ce week-end aussi c'était classique. Alors, Sapna, je... Faites attention, alors Sapna, les verbes pronominaux, quand on utilise des formes comme le passé composé, c'est-à-dire des verbes composés, hein, vous allez utiliser être. Donc je ne me suis pas fait. D'accord. Daria, oui, vous avez utilisé la bonne forme. Sundar, vous le mettez au présent. Oui, j'avais envie qu'on fasse du passé composé pour cette raison, avec la forme négative. Bernardo qui met ça au futur proche. Je ne vais pas me faire des cheveux blancs. Tout le monde fait comme il veut, c'est pas grave, c'est pas grave. Je guide et vous faites comme vous voulez. Victoria, je regarde, je ne me suis pas fait, d'accord, je ne. Alors je me fais, maintenant vous mettez le. Papillon 97 fait le contraire de ce que je demande. Yossi, de, il a bien mis le de, effectivement, c'est le seul à l'avoir bien mis là. Bickert, ouais, c'est pareil. Apparemment, vous n'aviez pas envie de le mettre au passé composé. Bakri non plus, H non plus, Flower non plus. Bon, je crois qu'on va être obligé de refaire de la grammaire pure et dure la prochaine fois. Regardez, la dernière expression idiomatique pour aujourd'hui, c'est ne pas porter quelqu'un dans son cœur. Ne pas porter quelqu'un dans son cœur. Et la signification de cette expression, c'est tout simplement de ne pas aimer quelqu'un. Ne pas porter quelqu'un dans son cœur. Et donc, j'aimerais que vous, tiens, l'accent a disparu, que vous me conjuguiez, s'il vous plaît, et voilà, avec un accent, c'est plus joli, à la forme je au présent de l'indicatif. Allez-y, une petite minute. Alors, c'est Daria qui est en première position parce qu'elle est courageuse, mais malheureusement, elle a fait une petite erreur grammaticale. Parce que, comme vous remarquez, j'ai dit porter quelqu'un, et donc c'est complément d'objet direct. Et souvenez-vous, le complément d'objet direct, c'est pas vraiment important si c'est une personne, si c'est un objet, si c'est un animal. C'est purement grammatical. Donc ça veut dire que ici, le pronom complément d'objet direct, troisième personne du singulier, masculin ou féminin, ça va être masculin le, féminin la. Donc je ne le porte pas dans mon cœur. Je n'aime pas cet homme, on va dire. Je ne la porte pas dans mon cœur. Je n'aime pas cette femme. D'accord? Donc c'est vraiment le ou la ici. Complément d'objet direct. Yossi, d'accord, je porte quelqu'un dans mon cœur. Donc vous voulez utiliser le contraire. Et c'est bien habillir. Je ne porte pas, d'accord. Très bien. Papillon, je ne porte personne. Alors, cœur, c'est masculin. Dans mon cœur, oh, moi, je suis persuadé que les papillons portent les gens dans leur cœur. Les papillons sont magnifiques, légers et poétiques. Ash Watson, c'est bien. Flowers in the Paradise, je ne
porte pas quelqu'un dans mon cœur. Oui, c'est l'expression, hein. C'est vraiment l'expression. C'est une expression idiomatique. Donc voilà, c'est la possibilité, c'était la possibilité pour vous de les découvrir. Et puis comme d'habitude, on essaiera d'en découvrir de nouvelles au fil des leçons et au fil des cours que nous aurons. Allez, nous passons à la rubrique suivante. Alors, le saviez-vous, comme vous le savez probablement, c'est la possibilité de découvrir certaines choses de civilisation française ou francophone. Et on commence avec la première chose. Les Français mangent 424 millions de bip par an. Et donc, il y a 67 millions de Français. Les Français mangent 424 millions de quoi ? Par an. Faites-moi des propositions. Alors, Ice Cube nous dit des avocats. Peut-être, c'est possible. Pourquoi pas? Ça me donne envie de guacamole d'un seul coup. Merci. Curiosidades, pain, Sophia, X, fromage, bacrisos, baguette, papillons 97, orange. C'est bien pour le vocabulaire et c'est ça qui est formidable. Bicut, fromage et croissant, Victoria, d'escargot, save the best, baguette, sapna, fromage, chômage, non pas chômage, fromage, chocolat, pain, Yossi qui nous dit des olives, flower in the paradise, qui nous dit baguette, CRB qui dit escargot, Nakiemba, Victoria qui dit baguette, oh ça y est, Berilla arrive avec escargot, Ash Watson escargot, Sundar escargot, eh bien oui, regardez, les Français mangent 424 millions escargots par an. Ça fait 6,3 escargots par personne et par an ou 13,4 escargots qui sont consommés chaque seconde en France. Imaginez ça. Donc c'est des escargots. Je ne sais pas si vous aimez les escargots, mais si vous allez en France, c'est l'occasion d'en déguster. Deuxième information. Regardons ça ensemble. À qui est le slogan Dieu est mon droit? Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, à qui est ce slogan? C'est un slogan qui est assez célèbre. Faites-moi des propositions. Thank you.
Alors, les informations ou les réponses commencent à arriver. Papillon 97 qui nous dit le roi. Donc, ce serait le slogan du roi. MNM19 qui nous dit le président. Sundar qui nous dit je ne comprends pas. Victoria Fossé qui nous dit le roi Louis XIV. Bicot qui dit je n'ai pas compris. CRB Louis XIV. Flowers in the Paradise. Napoléon. Yossi Henri V. H. Watson, le roi de Britannique. Do Louis Ice Cubes, le roi. Sophia X, Napoléon. Eh ben écoutez, Sundar Hitler. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est terrible. Regardons ensemble, et ça c'est vraiment intéressant. Dieu est mon droit. En français, dans le texte, si vous regardez toutes les photos officielles, effectivement, comme nous dit Berilla 71, toutes les photos officielles de la monarchie britannique sont avec ce slogan en français. C'est pas écrit en anglais, c'est en français. C'est le slogan, effectivement, ou la devise de la monarchie britannique depuis Henri 5, c'est-à-dire depuis 1413, 1422 donc, et depuis, hein, c'est le slogan de la monarchie britannique. Et c'est pas Hitler, Sundar. Qu'est-ce qui se passe, Sundar? Allez, troisième information. Quel animal est le symbole de la France? C'est quel animal? Alors, Abir est la première à nous faire une proposition. Elle nous dit le coq, Flowers in the Paradise qui nous dit le coq aussi, Papillon qui nous dit la grenouille, CRB nous dit le coq, MNM19 nous dit le coq, Gormez nous dit je vais à la plage pour les escargots. Mais on ne parle plus d'escargot, Gormez. On parle d'animaux. Ah, ou peut-être que vous pensez que c'est l'escargot. Alors ensuite, Nakiemba nous dit le coq. Bakrizos qui nous dit le. Parce que là, c'est une poule. Alors, I am what I create. Bonjour. Victoria. Ah, le coq ou le chat, c'est intéressant. Ah, oh, ben je crois que tout le monde a trouvé. Curiosidades, l'escargot. Ça, ce serait une très très bonne idée, curieuse. L'escargot, oui, mais on le mange. Donc, c'est pas possible. Je crois que tout. Ice Cubes, elle pense aussi que c'est une bonne idée. C'est vrai, peut-être qu'on devrait proposer ça à la présidence de la France. Le coq gaulois est le symbole du pays depuis l'époque de la Révolution française. Et en même temps, c'est vrai qu'on le mange aussi, hein, le coq, du coq au vin. Mon Dieu, c'est délicieux. Ça, c'est délicieux. Alors, quatrième information, nous y allons. Depuis, ou non, pardon, pendant combien de temps les Romains sont-ils restés en France? Alors, à votre avis, pendant combien de temps les Romains sont restés en France? Allez, faites-moi des propositions. Thank you.
Alors, vos réponses commencent à arriver. Yossi qui dit 350 ans, ça c'est très précis. M&M19, 200. Ice Cubes qui nous dit plus de 300, 400. Papillon qui nous dit 100. Victoria qui nous dit 300. Abir, 500. Oh mon Dieu, I am what I create, qui nous parle de... Faites attention s'il y a du feu en Californie, restez à l'intérieur. Bacchrysos, 1945, je ne sais pas ce que c'est, si c'est une année ou une période. Très bien, bah écoutez, vous êtes à petit... Ah Youssef, 900, ça fait beaucoup quand même. Mais non, c'était une période qui était très très longue, parce qu'effectivement, vous aviez à peu près une bonne appréciation des choses. Pendant 400 ans, à partir de 58 avant Jésus-Christ, les Romains ont régné sur la France. Donc leur influence est encore visible sur les routes et dans certaines villes. Si vous allez dans le sud de la France, vous allez remarquer qu'il y a énormément, si vous allez dans la ville de Nîmes par exemple ou d'autres villes, vous verrez l'importance des Romains ou que les Romains ont eu en France. Et ne serait-ce que au niveau de la langue et l'influence du latin sur le français, c'est énorme. Allez, la cinquième information, et ce sera la dernière. Regardez, et c'est une question très très simple, c'est pas philosophique, mais en France, est-ce que les œufs sont blancs ou marrons? Alors, je vois que vous commencez à me faire des propositions. Alors, bien sûr, les gens qui me disent les deux options, bah, c'est facile parce que avec la mondialisation maintenant, tout est possible. On peut avoir les deux couleurs, mais donc nous sommes d'accord. Hein, Gormez qui nous propose vert. Ce serait intéressant des œufs verts pour Pâques peut-être. Quand vous avez fait de la peinture. Alors, traditionnellement, hein, bien sûr, traditionnellement, les œufs ne sont pas blancs en France. Traditionnellement, ils sont marrons. C'est tout simplement parce que les races de poules pondeuses utilisées ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Mais effectivement, maintenant, avec la mondialisation, la possibilité d'acheter des œufs d'autres pays, on peut aussi trouver des œufs blancs, mais normalement et principalement, les œufs français et les poules pondeuses françaises pondent des œufs marrons. Voilà, et non pas des œufs verts. Est-ce que vous avez déjà vu des œufs verts? Moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Allez, merci beaucoup. Voilà, nous avons découvert toutes ces informations très intéressantes sur la France et les Français. Alors, c'est comme ça qu'on parle, comme vous le savez, l'idée de cette rubrique, c'est de voir ensemble du français familier. Donc, je vais vous donner
des expressions familières et vous allez me donner la signification en français standard, si vous savez. L'idée du français familier, c'est important de le connaître, bien sûr, mais faites très attention pour l'utilisation. Il faut savoir si le contexte ou les personnes avec qui vous êtes permettent d'utiliser le français familier. Ça, c'est vraiment fondamental. On peut l'utiliser, mais il faut savoir dans quelle situation et avec qui. Allez, le premier mot, c'est un adjectif et c'est crade. Qu'est-ce que crade veut dire, à votre avis, en français standard? Faites-moi des propositions, s'il vous plaît. Alors, Bickert est en première position, nous propose l'adjectif sale, papillon 97, sale, save the best, sale, I just call you sale, Yossi crasseux, crasseux qui est synonyme de sale, Yossi, oui, Ice Cube sale, CRB sale, Abir pas propre, Daria sale, Ash Watson obscène, oui, mais ça dépend du contexte bien sûr, mais Ash Watson, normalement, basiquement, c'est sale. Donc là, apparemment, tout le monde a à peu près compris le fait que l'adjectif crade, et donc crade, nous sommes d'accord, masculin ou féminin, c'est la même forme, d'accord? Et c'est un adjectif, donc c'est sale, nous sommes d'accord, et vous allez me donner, s'il vous plaît, une illustration. Écrivez-moi une phrase avec crade. Allez-y. Alors, je dois faire attention parce que je pense que le filtre de YouTube va fonctionner maintenant. C'est ça le problème quand on met ce genre d'exercice-là. Alors, Bakri Zoz attaque directement avec « tu es crade ». Oui, nous sommes d'accord. Bickert, sa maison est très crade. Oui, Emily Wright, mon cousin est toujours crade après sa sortie. Oui, Curiosidades, le sol de ma maison était crade, mais je l'ai nettoyé. Parfait. Daria, je lui ai dit ce qu'il doit nettoyer, ses vêtements. Ah, je lui ai dit qu'il doit nettoyer ses vêtements parce qu'ils sont crades. Hein, je lui ai dit qu'il doit nettoyer ses vêtements. Ash Watson, la maison est très sale, tu dois la nettoyer. Oui, Ash, l'idée c'est d'utiliser crade ici. Hein, on utilise le français familier. Diane, mes chaussures sont crades. Oui, papillon, les maisons de papillons ne sont jamais crades. Ça, c'est pas sûr, papillon. Est-ce qu'on le sait? S'il y a des photos, j'aimerais les voir. Je ne suis sûr que les maisons de papillons, certaines sont crades. Sabrina, alors, ce petit crade me gâche la... Faites attention,
Sabrina, parce que crade, c'est un adjectif. Hein. Alors, c'est du français familier, mais on respecte la grammaire. Hein. Donc, l'adjectif doit venir compléter un mot, d'accord ? Ou vous pouvez utiliser avec le verbe être aussi, par exemple. Sophia, mon pantalon est tout crade. Oui. Sundar, quand je suis allé en Inde, j'ai trouvé toutes les rues crades. Alors, toutes féminin, pluriel, hein, ES. Et crade, ici, Sundar, c'est un adjectif. Donc, ici, comme vous avez rue au pluriel, RUES, vous devez le mettre, vous devez mettre votre adjectif au pluriel aussi. Hein. Crade avec un S. Ice Cubes, le salon est crade, on peut le nettoyer. Oui. Abir, je n'ai jamais vu une maison crade comme celle-ci. Oui. CRB, je n'accepte pas. La rue crade, oui, un peu bizarre comme phrase, mais grammaticalement pas de problème. Hein. Victoria, ma maison est crade de la peinture. Ça devient un traumatisme, Victoria. Il faut faire une pause avec la peinture là. Yossi, je ne pourrais jamais vivre dans une maison aussi crade. Très bien écrit aussi. Alors là, formidable. Et Sundar est d'accord avec moi. Il n'y a aucune preuve que les maisons de papillons ne soient pas crades. Allez, deuxième mot, la thune. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire, la thune ? Alors, je vois que Bickert est en première position et nous propose de l'argent. Flowers in the Paradise nous propose de l'argent. Papillon 97 nous propose un poisson. Un thon. Pourquoi pas. CRB propose de l'argent. Sundar, l'argent. Curiosidades, l'argent. Bakrizos, l'argent. Daria aussi, Save the Best aussi, Diane aussi, Gormez aussi. Oh bah écoutez, apparemment, là, tout le monde est d'accord avec ça, c'est l'argent. Regardez bien, parce qu'effectivement, c'est féminin. Hein. La thune, donc c'est un substantif, c'est un nom. Et donc, s'il vous plaît, écrivez-moi une phrase avec la thune pour illustrer. Je vous attends. Alors, c'est Sundar qui ouvre la... Alors, Sundar, si j'avais beaucoup... Alors, faites attention, Sundar, parce que quand vous utilisez les structures avec beaucoup de, c'est beaucoup de thunes. Si j'avais beaucoup de thunes, je voyagerais... Mais là, vous êtes obligé de mettre le conditionnel présent. Yossi qui dit que c'est de l'argot. Oui, oui, c'est de l'argot. Les français familier argot, vous savez, ça dépend du contexte et des situations. C'était de l'argot avant. Maintenant, c'est un petit peu du français familier, Yossi, quand même. On pourrait voyager en France ensemble et vous verriez. Curiosidades, la thune ne change pas les gens. La thune montre ce que les gens sont vraiment. Oh, incroyable. Alors là, c'est magnifiquement écrit et c'est très 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 subtil comme phrase. Félicitations. Bickert qui nous dit « Il n'y a pas assez d'argent dans ma poche ».
Alors moi, Bicotte, il n'y a pas du tout d'argent dans ma poche, hein, je le dis. Sabrina, la thune ne fait pas toujours le bonheur. C'est bien. I just called, j'aime la thune, la musique. Flowers in the paradise. Si tu veux avoir de la thune, tu dois travailler. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Papillon 97, certains papillons coûtent vachement de la thune. Mais pas moi, je suis simple. Avec une maison très très bien entretenue et pas crade du tout, nous le savons. Ice Cubes, j'ai un peu de. Faites attention, beaucoup de, un peu de. L'article disparaît. J'ai un peu de thunes, j'ai beaucoup de thunes. D'accord? Je peux, PEUX, payer cette fois. Oui. Sophia X, je te prête de la thune ou je te prête la thune que tu voulais avoir. Si vous dites la thune comme ça, il faut donner plus d'informations. Ensuite, Berilla, je suis plein, même chose. J'ai un peu de, j'ai beaucoup de, je suis plein de. Je suis plein de thunes. D'accord? J'ai besoin de plus de thunes, Abir, pour partir en vacances. Ouais, Abir, c'était bien écrit, le plus de. Hein. Donc le la disparaît, et ça, c'est formidable. Bakri, j'aimerais avoir beaucoup de thunes. La même chose, hein. Un peu de, beaucoup de. Ash Watson, je travaille parce que je veux de la thune. Diane, je n'ai aucune. On doit mettre la négation, Diane. Les deux parties de la négation. Je ne ai. Et le ne, apostrophe. Je n'ai aucune thune dans mes poches. Parfait. Daria, il a travaillé tout le temps pour avoir une bonne carrière et de la thune. Mais après qu'il a eu une attaque cardiaque, il a dû faire un choix masculin. Un choix entre rester en vie ou bosser, rester en vie. Yossi, il n'a pas assez de thunes. Parfait Yossi, hein? Un peu de, beaucoup de, pas assez de. Qu'est-ce qu'on avait au, un, oui, je ne sais plus. On en avait, mais c'était ça un petit peu la clé. Faites bien attention avec ça. CRB, je travaille parce que la thune beaucoup. Non, CRB, parce qu'ici, il faut un verbe dans votre. Parce que, après, il faut une structure verbale, CRB, c'est pas possible autrement. Troisième mot, qui est du français familier aussi, maintenant, et c'est une meuf. Qu'est-ce qu'une meuf? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? Allez-y, faites-moi des propositions. Alors, les réponses commencent à arriver. Bakrizoz est le premier à nous proposer une fille. Curiosidades nous dit une tante. Sabrina, une femme. Papillon 97, une petite dame. Ice Cubes, une meuf comme neuf. Qu'est-ce que c'est? Sophia X, une femme. Flowers in the Paradise, une femme. CRB, fille. Daria, une femme. Ash Watson, une femme, Abir, une petite amie. Alors, on aura l'occasion de voir ça plus tard. Bon, c'est ce qu'on appelle du verlan. Je me souviens que les premières fois que j'ai découvert le verlan, c'était mon grand-père qui était né place de Clichy, qui m'avait appris le concept du verlan. Quand j'avais moins de 10 ans. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Alors, on verra ça plus tard, mais oui,
Une meuf, c'est une femme. L'idée, c'est de travailler avec les syllabes et vous allez changer l'ordre des syllabes. Vous allez les inverser. Donc, une meuf, c'est une femme. D'accord? S'il vous plaît, écrivez-moi une phrase en utilisant une meuf. J'attends vos magnifiques phrases. Alors Yossi demande si c'est du verlan, meuf. Oui, c'est du verlan, monsieur. Alors, c'est Curiosidades qui commence. Alors faites attention, Curiosidades, parce que comme meuf, c'est femme, ça doit être féminin, hein? Donc l'article doit être au féminin. La meuf aime apprendre le français avec Vincent. Merci. Papillon 97. Une meuf a attrapé un papillon et l'a tué. Un petit peu sombre aujourd'hui, Papillon 97. Que se passe-t-il dans votre vie? Sabrina, regarde-moi cette meuf, elle est très élégante et instruite, très bien écrite. Ouais. Idéalement, Sabrina, si vraiment vous êtes une puriste, entre regarde et moi, vous mettez un petit trait d'union et ce sera magnifique. Ash Watson, alors faites attention, Ash Watson, c'est une meuf, C apostrophe EST, hein. C'est une meuf qui est très belle, tout le monde la regarde. Parfait. Ice Cubes, il a rendez-vous avec cette meuf. Très bien. Flowers in the Paradise, ta meuf est très sympa. Parfait. CRB, une meuf est très jolie. Oui. Attendez, je dois cliquer pour Sundar. Alors ensuite, c'était Daria. Daria, cette meuf est belle, gentille, intelligente, modeste. Elle est tout simplement incroyable. Quelle meuf! Merci beaucoup, elle était super votre phrase. Berylla 71, j'ai vu une meuf exotique dans le bus. Très bien, Berylla 71. Victoria Possé, donc le bus l'a conduit une meuf. Qu'est-ce que vous voulez dire, Victoria? Le bus a conduit une meuf? Ou le bus? J'ai un doute pour votre phrase, Victoria. Je ne suis pas sûr de comprendre. Habir, je peux voir une meuf dans la rue? Oui. Diane, je suis une jolie meuf? Oui. Bakrizos, je cherche toujours, attention Bakri, toujours TOUJOURS. Je cherche toujours ma meuf ou la meuf de mes rêves, pluriel, mes rêves. Sundar, la population des meufs sont plus des hommes. Oui. Ah, ça dépend des pays, hein. Vous allez en Chine, c'est différent. Bickert, la meuf était si pauvre et si seule, elle avait besoin d'aide. Oui. Yossi, j'ai vu une meuf bizarre dans le bus. Très bien écrit, Yossi. Papillon 97. Ah, hein? Oh, mais non, mais papillon, vous avez déjà écrit pour les meufs. Sophia, les meufs, avec un S. Sophia. Même si c'est du français familier, on doit respecter les règles grammaticales. Donc, meuf, vous allez marquer le féminin avec le S. D'accord, Sophia? Donc, les meufs, avec un S final, dans cette famille, sont dynamiques. Parfait. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà. C'est toujours intéressant de faire un petit peu de choses comme ça. Et là, c'est véritablement le dernier exercice pour aujourd'hui. D'accord?
Et donc c'est les nombres du jour. Je vous donne la possibilité de me détester avant que nous nous quittions. Alors attendez, vous le savez, on va faire comme d'habitude les catégories habituelles A1 à 2. Alors on y va, j'espère que vous... Ah attendez, oui, Victoria, d'accord, Victoria c'était clair. On y va, je vais lire... Deux fois. 643. 643. Alors, je regarde tout ce que vous m'écrivez. I Just Called est en première position et c'est magnifique. Ice Cubes aussi. Flowers in the Paradise, pas de problème. Papillon 97, c'est très bien. Bakri aussi. Daria aussi. Sophia aussi. Victoria, parfait. Curiosidades, très bien. Bickert aussi. Oh, Sabrina. Sabrina qui écrit 643. C'est très, très gentil, si vous voulez. Alors ensuite, nous avons Sophia. Oui. Ash Watson, oui. Diane qui l'écrit, oui, avec en toutes lettres. Vous pouvez écrire comme vous voulez. Save the best, d'accord. CRB. Oui, Abir, d'accord. Sundar, d'accord. Bernardo, très bien. Ensuite, Ayoub a envie de, j'imagine, de nous choquer avec ses illustrations. Quel âge vous avez, Ayoub? Quel âge vous avez? Sundar, d'accord. Alors, Krasimira, oui. Très bien. Oui, bah, Ayoub, je préfère que vous mettiez les... mettiez les nombres plutôt que de mettre des petites illustrations parce que ça me rappelle mon fils. Allez, on attaque le deuxième. Et c'est la même chose, je vais le lire deux fois. 9732. 9732. Allez-y, écrivez-moi ce que vous avez entendu. Et cette fois-ci, c'est Ice Cube qui est en première position et je dois dire magnifique. I Just Called, oups, malheureusement, un petit peu trop généreuse. Flowers in the Paradise, oui. Ash Watson, oui. Papillon 97, oui. Victoria, oui. Save the Best, oui. Diane, oui. Abir, oui. Sophia X, oui. Bickert, c'est très bien. Daria, parfait. Curiosidades, ouais. CRB aussi, Sophia, ouais. Bakri, parfait. Berilla, très bien. Bernardo, oups, attention Bernardo, c'était, attendez, regardez. 9777700. Vous avez mis 9600, ok. Victoria Jacques, oui. Ensuite, alors attendez. Oh, il y a quelqu'un qui a cliqué, je dois cliquer là. Victoria Jacques, ouais, c'était bien. Saad, ouais. Sundar, c'est bien. Ice Cube qui dit youpi. Sabrina, oui. Krasimira, un petit peu généreuse. Attendez, j'essaye de décoder. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Pas de problème. On continue. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Comme d'habitude, je vais juste lire deux fois. D'accord ? 74 802.
74 802. Oh là 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 là, mon Dieu. Alors là, c'est I Just Called to Say I Love You, première position. Et là, je dois dire bravo. Ayoub, Ayoub, participez. Donnez les numéros au lieu de mettre les choses comme ça. C'est... Donnez un bon numéro. Abir, je dis. Attention, Abir, oui, c'était correct. Sioban, oui. Tenez, je vous le mets à l'écran. Faites attention, Bicot. Bicot, il manquait 10 000. Diane, oups. Regardez, Diane, c'était 74 802. Vous avez mis 614. C'est vrai que c'est très très proche, Diane. 614, 74, c'est normal. Daria, même chose, 74. Vous avez mis 64, mais c'est pas très grave. Flowers in the Paradise, ouh, vous êtes parti sur 614 aussi, alors que c'était 74. Ensuite, Bakri Zoz, non, vous êtes perdu. Ice Cubes, vous m'avez mis 804 alors que c'était 802. CRB, c'est bien. Curiosidades, pareil, c'était pas 614 mais c'était 74. Ouais, c'est un petit peu. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de spammer là, et tant mieux pour lui. Antoinette, Sophia Ford, oui. Antoinette, oui. Krasimira, oui, pas de problème. Et Sundar, non. Sundar, regardez, c'était pas ça. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que maintenant, c'est le dernier. Et après ça, vous serez libre. Attention, deux lectures. 789 021. 789 021. Allez-y. Alors, c'est Ice Cubes qui est en première position et qui clairement se rapproche petit à petit de la perfection, malheureusement. j'ai vu Ice Cubes. Vous avez corrigé après, mais j'ai vu quand même. Alors, I Just Called, ouais, faites attention, c'était pas 600, mais c'était 700. 789, c'est pas facile. Bicot, pareil, vous êtes un petit peu loin. Abir, ouais, c'était pas 600, c'était 700. Faites attention, mais le reste, c'était bien. Sophia X, oui, parfait. Bakri, un petit peu loin. Flowers in the Paradise, c'était parfait. Sioban, un petit peu, vous avez l'esprit, mais presque, presque, presque. Curiosidades, c'est parfait. Ice Cubes, oui, oui, Ice Cubes, deuxième version. CRB, attention, CRB, c'était pas 600, c'était 789, ok. Daria, ouais, vous l'avez. Ash Watson, vous l'avez. Yossi, vous avez le début, et c'est pas mal. Yaoub, faites attention, Yaoub, regardez, un petit peu loin quand même, mais c'est pas grave, c'est vous avez l'esprit en tout cas. Antoinette, oui, presque, mais un petit peu loin aussi. Victoria,
Victoria, vous l'avez. Youpi! Youpi, youpi, vous pouvez faire la fête. Champagne, Victoria, champagne ce soir. Liliana, oui. Save the best. Ouais, vous avez la première partie, c'était très très bien. Bakri qui dit zut, c'est pas grave, Bakri. Hey, on en fait demain. D'accord? Demain, on en fait. Pas de stress. Bernardo, ouais. Edesio, oui. Ice Cube, ce qui fait des drôles d'yeux. Sabrina qui nous l'a écrit. 789 021. Et le 20, vous l'avez. Ouais, faites attention, 20, c'est V-I-N-G-T. Ayoub qui écrit quelque chose en arabe que je ne comprends pas. Ice Cube, c'est pas facile, je sais bien que c'est pas facile. Très bien, et c'est vrai qu'on apprend de ses erreurs. C'est bien de faire des erreurs, si on fait pas d'erreurs, on n'apprend rien finalement. Donc, ne vous inquiétez pas, on est là ensemble, on va apprendre des choses. Vous faites des progrès chaque jour. Et c'est ça qui est formidable, vous faites vraiment, vraiment des progrès chaque jour. Merci beaucoup. Le cours était un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est pas grave. J'espère que tout s'est bien passé. Pour moi, c'était formidable. Ice Cubes, champagne après la leçon. C'est vrai, champagne, personnellement j'ai une bouteille, je vais l'ouvrir. Allez, bonne soirée, bonne journée et à demain en tout cas. Merci.